Pona Congo, je vous le disais en titre, c'est une campagne lancée par les jeunes des Boutimbo d'entrée des jeux. Ils ont commencé par une série de travaux communautaires et une façon pour eux de prêcher par un exemple sur la salubrité dans la ville. Avec le changement des mentalités et la prise de conscience, ces jeunes estiment que les autorités et la population peuvent aboutir à un Congo nouveau. C'est dans le cadre de la campagne Pona Congo, traduite en français pour les Congos, que ces jeunes filles et garçons ont organisé les travaux communautaires ce vendredi. Jean-Pierre Kasma, activiste pro-démocratie et point focal de la campagne Pona Congo à Boutembo, circonscrit l'activité du jour. Ils sont venus faire une action communautaire, c'est-à-dire Esalongo, à vue de prêcher par exemple. Les changements que nous avons toujours rêvés, nous devons montrer aux autres à quoi ils ressemblent. C'est pourquoi nous sommes là. Pona Congo n'est pas une structure, c'est juste une campagne de mobilisation des citoyens. Et c'est dans ce cadre que nous avons mobilisé toutes les autres structures pour qu'elles viennent participer avec les activistes déjà réunis dans Pona Congo, afin que nous puissions rendre ces milieux salubres. Nous sommes là avec les amis du groupe Academia. Nous avons contacté la police, l'armée, pour que nous réalisions cette activité dans l'ensemble. Le Salongo, comme on aime bien l'appeler en RDC, a été organisé le 20 midi de ce vendredi près du monument Monseigneur Catalico sur Avenue des Écoles. Le Salongo du jour est censé faire passer un message. Nous avons droit à un environnement sain et les autorités ont ce devoir de nous rassurer. Et en venant faire ce Salongo ici, c'est pour leur montrer qu'elles doivent prendre leurs responsabilités à main, mais aussi c'est pour montrer aux autres citoyens que chacun est capable de faire quelque chose pour que le développement de notre pays puisse être une réalité et puisse être vécu au quotidien. Pona Congo ne va pas se focaliser uniquement sur les questions de salubrité de la ville. La campagne sera également élargie sur d'autres secteurs de la vie. On va mobiliser les gens, les Congolais, les Bibolais, pour qu'ils réalisent chacun un acte dans le secteur afin d'obtenir, d'arriver à un Congo nouveau. Les organisateurs de la campagne Pona Congo rêvent tous d'un Congo nouveau et pensent que c'est possible de réécrire une nouvelle histoire de dignité pour la RDC.